Voici la nouvelle une de Charlie Hebdo. Dans son numéro daté du 4 mai, le journal satirique évoque les conditions de détention de Salah Abdeslam et les compare avec la télé-réalité. Une caricature qui fait référence à un épisode resté célèbre de la première saison de Love Story. Salah Abdeslam, le dernier homme vivant du commando des attentats de Paris, a été transféré de la Belgique à la France fin avril. Incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis, il est filmé 24 heures sur 24, dans sa cellule de 9 mètres carrés pour éviter tout risque de suicide ou d'évasion. Des conditions qui posent des problèmes juridiques. Un arrêté de 2014 autorise le contrôle vidéo des détenus dans des cellules de protection d'urgence, mais cela ne concerne pas Salah Abdeslam. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoy, avait assuré que les conditions de détention ont été fixées conformément aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit français de la protection des données personnelles, mais que la pérennisation éventuelle de cette mesure devait faire l'objet d'une étude complémentaire.